Jeffrey, là on est même plus chez nous, puis tu continues à parler de ton obsession qui est tuer des chats. Je suis tanné de t'entendre parler. Arrête! Bienvenue à notre studio, ça m'a fait beaucoup de bien. Tout ce que vous voyez, je l'ai fait avec mes mains à moi. Nous, aujourd'hui, on parle de fromage et de biscuits. La bière, c'est overrated. C'est pour les losers, comme ils disent. Bon, non, c'est pas vrai, Olivier. Yeah. Désolé, vas-y. So, comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai deux invités super spéciales. Première fois dans le studio ever sur notre nouveau studio. C'est beau. Tu sais quoi, c'est mes premiers invités right? dans le nouveau studio. Puis c'était le temps que tu nous invites. Ouais, je sais. Parce que combien de fois je vais vous inviter dans la maison? Ah là, mon bébé ne dort pas. J'ai rincé des verres. C'est comme un bon vin, tu laves jamais le verre de vin. Non, seulement rincé. Parce que je vois la tina, t'as-tu lavé ça? Ben c'est rincé. C'est rincé. Ouais, mais est-ce qu'il y a du frottage dans ton rinçage? Of course. Ok. What's up, man? Merci, félicitations, c'est un beau spot, c'est fun, c'est excitant. C'est beau bois. Oui, grâce au site Fred, je pense que j'avais mentionné une couple de fois dans le podcast. Une fois de plus, c'est pas mal. Oui, hein? Non, une fois de plus. Merci à Fred, il a fait le code de porte aussi pour ma porte. Mais là, Olivier, t'as un concept ce soir. Ouais, un concept. Et là, on dirait que je te rush, les gens vont pas aimer ça parce que je te rush. Je pense qu'il y a quelqu'un à côté de nous autres qui a eu une grosse journée chaude, puis je pense que Jeff a envie de crack open. Non, c'est plus l'idée qu'on a seulement 29 minutes et 59 oui, secondes. Oui, c'est vrai, parce que. Aujourd'hui, expérimentation, oui, j'ai deux invités super spéciales, on essaie de filmer avec une nouvelle caméra. Fait que, technical difficulty, ça se peut que ça ne recorde pas en tout, puis on le refera une fois qu'on peut. Oui, c'est ça, c'est correct. Et nous, ça fait 29 minutes. Et le footage que vous allez voir, c'est disponible pour vous sur une iOS Rebel T5. Alors, pour les intéressés, si vous voulez, vous pouvez cliquer mon lien. Hashtag not sponsored. Mon lien pour Amazon est en bas. Je suis pas sponsor, mais ça me donne 10 piastres à mon basket. Ok, ça. Achète-la à travers du lien. Avec le concept, je vais vous couper la parole. C'est quand même bon podcast. Il faut que tu le fasses. Ouais, puis t'es craché pour tout le tour. Hey, je vais cracher dessus, mais tout le coup. C'est beau. Fait le concept, j'ai pensé pour cette émission aussi. J'ai pensé qu'on aurait fait une bière d'enfance, une bière de. Une bière de jeune adulte? Mais quand tu dis enfant, là, on va. Quand je dis enfant, ça, je dis pas en bas de 19 ans, on sait tous qu'on était des jeunes très responsables, on est des parents qui nous ont élevés à des règlements très stricts, puis on les a tous suivis. Comme tous les pères, mon père m'a fait écouter là à 5 ans, à 5 ans. Hein? There we go. Quand ta tête disait, c'est pas bon, hein? T'en boiras jamais! There we go. Elle était chaude. Elle était chaude à la piste. C'était minuit. 16 ou à l'est. Mais. C'est ça, fait que j'ai choisi de faire un concept. Notre première. C'est pas une bière d'enfant, j'aurais pas dû utiliser ce concept-là. C'est notre première bière. C'est notre verre d'introduction. C'est la bière qui m'a apporté dans le monde de l'alcool. C'est ça, c'était des choix assez. Comment je dirais ça? Des choix inéduqués, j'aurais dire. Mais si je pense, c'est comme dans n'importe quelle situation, c'est tu prends un peu, tu regardes. Ah, ben j'ai vu mon oncle boire ça, mon père boire ça, mon ami, c'est des influences de mon oncle. C'est ça. Mais moi, je veux dire honnêtement, il n'y a pas d'influence de mon oncle dans mon choix. Non? Ah, non, absolument pas. Mais j'ai hâte que tu nous expliques où est-ce que le choix a venu. Je pensais qu'on aurait bu chacun une autre bière, mais je pense qu'on aurait fait une dégustation de chaque bière. Oui. Ah, ouais. Maintenant, est-ce qu'on boit dans les verres l'un de l'autre? Non, parfait. Donc, make sure out there, hashtag switcher. Donc, on va sortir chacun en même temps, oui. Notre gare. Notre propre. Qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que je suis dans la même que moi. Attends. Je vais pas l'avoir à la canette. Fait là, on a gardé ça un secret, j'ai dit vraiment clairement à Jeremy Fred, t'as gardé ça un super secret en les deux là. Yep. Puis ça a été difficile dans le char parce que Frédéric était comme. C'est moi que. Vas-y. Toi là, dis t'as choisi tel. Aïe, aïe. Fais-tu un countdown là? Ben, j'essaie de l'ouvrir. C'est moi, j'ai eu des secrets. Moi, j'ai. Jeff a amené la caisse au complet. Moi, j'ai amené la caisse parce que la mienne, je voulais pas l'acheter en canette. Non, je l'ai jamais bu en canette. Ça ne goûtait pas ouvert en canette. Non, elle est pas. Moi, c'est en bouteille. Puis moi, je suis chi. Tu veux faire 3, 2, 1, vas-y. 3, 2, 1. J'étais à yes. Fuck that too. Toi, moi, je t'ai sorti un que. Mais, puis aujourd'hui, j'étais là, j'avais la caisse de 6, puis je suis comme, tu ne vas pas les voir, les 6, j'aime pas ça. Ouais. J'ai un estomac d'adulte, là, ça passe plus comme avant.
Puis là, dans ma tête, je crois, personne va acheter des bouteilles, on est tous cheap. Non, Jeff, moi j'ai acheté l'acier, c'est au quoi. J'ai jamais. Puis. Ever. Aujourd'hui, là, ça va être un jour mémorable de ta vie. Mais c'est pas ça. Il y a des maringouins dans le studio. C'est pas là-dedans qu'on les buvait, là. Non! Malheureusement pas, c'était pas là-dedans. Ah, c'est les bouteilles, il y avait des grosses bouteilles. 5$! 5$! Là, c'est le même prix, c'est 4,99$. Toi, parce que moi, je me rappelle qu'on a bu ça. Parce que nous, on buvait ça, c'était pas la première bière. Mais nous autres, ça venait directement comme de la scène de musique. Oui. C'est comme, tu voyais les punk rockers, tu voyais le monde jouer la musique, avec la cover ça. Puis c'était juste, je veux voir ce qu'est-ce qu'il y a d'autre. Malheureusement, ça, c'était ma première bière. Ça, puis du Hermit. Ouais, ben ça, c'est ouais. Ah. Mais ça, du Hermit, c'est du malt liquor. Ah, oh, c'est du vin, c'est du vin, vraiment. À 21%. Ah! C'est un morning liquor pour les gens. Oui, oui. Ça, pour les Québécois, la Black Cat Label, c'est votre équivalent. Oui, la extra Black Label, Black Label Dry. Oh! Oh my god, j'ai vraiment c'est ça. Puis c'est sûr que la caissière se demandait. Mais c'est l'affaire, surtout si tu vas à une place qui te connaît. C'est quoi pour ruiner ton brand? Oui, oui, elle a dit, faut que je regarde le podcast. Ouais, juste pour voir, il va prendre une photo, mais ça va ruiner ta vie. Hey, est-ce qu'on goûte elle en premier, Olivier? Il faut-tu qu'on goûte ça? Pas le choix. Oui, go! Ça, c'est une stepping stone à la vie à Jeff, parce que tu l'as jamais goûté. Mais t'as toujours eu une bière forte. Qu'on est bien à 8%. Bah, peut-être, là. Mais Go 45, je l'ai spécial. Puis je n'ai pas bu, ça fait. J'ai honte de dire comment d'être, ça fait que je n'ai pas bu. Parce que ça fait pas 20 ans. Non, puis ça fait pas 20 ans, j'aurais eu 10 ans. Mais quoi, ok, ouais, ça va faire minimum 15. Parce que nous autres, après un bout, c'était 2. Ouais. Puis après une, c'était déjà assez. Oui, la deuxième, tu chicanais. Tu chicanais avec le sac de carton. C'était plus sec qu'elle a bu 2 contre 45. Oui. Okay. Oh, il est pas anyway. Hey, merci beaucoup de nous avoir invité, Olivier. Oui, ouais, ça réchauffe mon cœur. Moi, c'était ASMR là. Ah. De l'ouverture à canette, celle-là était encore plus forte, plus grave que d'habitude. Là, mais c'est du gaz. Il y a du canon. Oui, moi, je rock des bubbly dernièrement. Juste pour. Okay. T'en mets pas autant. C'est même pas buvable, des bubbly. C'est j'aime l'effet sonore, puis j'aime dire bubbly. Ça se dit pas d'un micro, c'est ça, je fais ça, c'est ça. Tu sais, ça, c'est du plaisir qu'on s'accorde au podcast. La dernière bière que j'ai bu, que je pouvais voir à travers, comme je me souviens pas. Ah! Bon, ben ça c'est une Code 45. Vas-y, ouais, je parle du pire. Qu'est-ce qu'il y a l'amertume là-dedans, Olivier? Oh, l'amertume, mais la piste de cheval là, que vous voyez là. C'était quoi la rumeur par rapport à la Code 45 quand on était jeune, Olivier? Qu'est-ce que les gens disaient que c'était fait avec? C'est quoi, j'ai jamais entendu celle-là. Hein? Nous autres, ça se faisait pas vrai, mais la rumeur était que c'était tous les fonds de baril des rivières. Je vais te dire, ok. So, c'est une bière forte, 8%. Je sais pas comment dire la décrire. Si vous la. 4. Ah! 79. Je suis comme ça au KFC niveau. Si vous avez jamais goûté la Code 45, si vous êtes des amateurs de bière, je vous conseille, c'est un passage de vie. Ça, c'est comme le kid là. Comme à 16, 17. Ça, c'est comme le kid qui s'appelle pogner à fumer une cigarette, puis le pays, il fait fumer ça. Ça sent. Puis j'en ai vu vomir. Mais non, je sais. La vraie question. Probablement, on va poster 29 minutes là. Oui. Mais c'est vrai que ça va arrêter. Mais. On va faire un autre show. Non, mais c'est ça, mais c'est rien que ça. Non, mais c'est. Tu coupes. Coupe. Oh, c'est ça. Olivier fait du editing. Ouais, on va avoir du fun. Tu fais-tu du editing? Nah, un petit peu. Tu là? Mais est-ce qu'on cligne les verres? Y a-tu comme une. Ben on respecte pas la distanciation sociale. Mais non, on est une bubble maritime maintenant. Oui, ben nous autres, on est une bubble family. Mais oui, non. Oui, nous autres, on n'a pas de. Un roux. Il y a un roux de la bubble. T'as-tu eu la paperwork chez les roux? Oui, j'ai eu la paperwork. J'ai signé les papiers, les waivers ont signé. Fait que cheers, hein. Hey, oui. Oh, ok. Non, oh my god. Cheers. Fait que, regarde, si vous sentez ça. Moi, c'est pas la bête. Moi, ça sent la vomissure, j'ai malade. Tu sais, tu te réveilles le lendemain matin, hein, puis tu viens de renverser sur toi. Hey, tu sais de quoi qui est déjà flat avant que tu le bois? Mais tu vois-tu comment tu peux c'est en boire beaucoup? C'est pas aussi pire que je pense. Non, c'est light. C'est très light. Comme ça fait comme ça. Ça fait pas de 20%. Ça fait vraiment. Non, ça fait comment boire ça d'un beau verre? Oui. Ça donne vraiment beaucoup plus, c'est glorified Code 45. Mais je fais qu'elle est moins pire en cadette qu'en bouteille. Un petit peu. Ben je pense que si on.
Quand tu penses ça, moi je la trouve super carbonisée. Ouais. C'est-tu un mot qu'on utilise? Oui, non, mais oui, mais pas pour ça. Ah, c'est super carbonisée. Le premier jour, je dis c'est flat, c'est comme la merde. Mais ça, je dis. Mais moi, je la trouve pas flat. Mes papilles sont pas les mêmes que tes papilles. Oh, les frères. So, si qu'on met ça en perspective, les divins qu'on boivait dans notre jeune, dans notre haut temps, dans notre jeune temps, c'est l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui d'un growler 1.9 litres, je me trompe pas. Oui. So, t'imagines-tu arriver, t'imagines-tu dans le temps, arriver à des parties avec un growler? Ouais. Ben, ça se passe ça, hein? Mais pas avec un oui, growler. Oui, mais pas le même genre de party, disons. Dans non, non, c'est pas le même genre de party, tu sais. Comme, disons, après t'as fini la bouteille, t'as envie de la casser pour tout, tu sais. Mais c'est pour vrai, comme, moi je recommande. Si t'as déjà des problèmes de violence, là, bois pas de la Comfort Non, tu m'en vas. C'est comme du Jack? Ça t'amène dans la même place que le Jack? Je mettais pas Jack dans le même bateau. Non. Comme, personne qui joue de country en jouant à ça, là. Ok. Ouais, tu sais. C'est. Guard Brook aime pas ça. Non. Mais il aime le Jack Guard. Ouais, yeah. God bless Guard. Non, ça a pris, c'est quoi, ça a pris longtemps à le trouver dans la commission de liqueur. Puis... As-tu demandé? Non, j'avais trop demandé. J'ai mangé dans le frigidaire. C'est-tu, Ali, je pense que. Tu sais, parce qu'on parle souvent de comment c'est tough. Parce qu'il y a des bières que t'aimes moins, pis toi, chez Lojo, t'as steppé up de ta ligne, pis t'as vidé une, pis c'est pas buvable. Oui. Mais c'est en même temps, c'est quand même pas ton brain d'insulter. Non, absolument pas. Pis je respecte ça, mais je me dis, peut-être, ça pourrait être drôle. Dans les messes comme ça, puis faire une review de cochonnerie, mais tu vois, oui. Parce que là, comme, tu penses, probablement tu feras jamais de peine à personne, parce que c'est universellement reconnu que c'est mauvais. C'est mauvais. Tu sais, puis comme, tu vas dans les classiques mardes, tu peux, tu sais, comme. Ça, je veux dire tout de suite, c'est de l'alcool puis de l'eau, c'est juste ça que c'est. 8%, c'est malty, y'a aucun malt feel. C'est flat, tu vois, t'as une directive avec ça, puis c'est de te rendre au point de sans connaissance. Puis. Tu sais, là, je fais comme si la verte après va être dégueulasse parce qu'on va aller dans le même verre. Non, 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 non. Olivier, non, parce que malheureusement, j'ai pas de le garage, donc on n'a pas juste fini mon verre. Imagine de passer juste une petite pipe, on aurait. Oh my god, ou juste. Non, mais imagine avoir juste le. L'affaire que dans les bars, là, un vrai cop cleaner. Oui. Ça doit s'acheter, ça. Ben, si tu veux, tu peux te mettre une toilette, installer un bidet. Puis au début. Comme là, on a perdu 12 minutes de folie du Frédéric, qui était à son plus drôle qu'on verra pas pour un autre 8 ans. Juste pour. J'ai parlé de mes sentiments par rapport aux hommes, dans la restauration. C'est ça. Garde. Est-ce qu'on a fait des dénonciations, peut-être? Là, dans le fond, je suis comme content que ça ait été coupé. Mais c'est bon, là on est rendu. Ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui a coupé, c'est ce qui arrive à Gabriel. Oui. Oh my god, c'était bien là-dessus? Ok. J'ai aucune idée si c'est là ou pas. Ah, vous êtes plus dans le spur de mon nom. Non, non. Là, je vais juste le donner au monde. L'autre jour, ma fille a crié qu'elle s'avait craqué la vulve. C'est drôle. That's it. Ouais. Là, on est rendu dans la moussette verte. Ça, c'est la bière. De jeune adulte à Frédéric et moi-même. C'est notre bière de début. C'est ça. La Gateway Beer. La Gateway Beer, puis la bière que, regarde, j'ai mieux confortable, cette bière-là, j'ai bu pour quelques années. Pendant qu'Olivier était un super drôle, sur la côte. Il y a toujours eu. Colt 45. Oh! Il y a toujours eu la Big That's All We Need. Toujours eu la tout. Smoke that tumbleweed. Cause that's the hair on burn, we can take our turn. Singing them dirty rap song. Start to hit the ball like cheap and charm. I said, and with Hong Kong. So roll the 83. Cadillac Coupe de Ville. If you live in the city, just don't care. I bet my caddy will. And if you roll my joint. Pick up the Caesar steel. Ok, on continue. So, j'ai rentré le Moody Green. Attends, lager. Tu sais quoi ce question-là? Non. Tu sais quoi ce question-là? Non. Vous êtes-vous? Quel âge vous avez? Trop jeune. Toi, t'as 22 ans. Non, non, mais c'est Afro Man, Cold 45. Oh, ben Afro Man, oh, okay. Il est juste à. Non, ben, non. Get one get high. Non, c'est bien, okay. Après ce site, on va l'écouter. Oh. Puis on va tout écouter. C'est 9 minutes. Mais ça se peut, je sais quoi, je me rappelle juste pas. Ben, je viens de te chanter 2 minutes, so, si t'as pas cliqué par ça. 23 secondes. Ok, on voit la Jeff. Ça, ça a toujours été la bière parce que le monde disait qu'elle était skunky. Ça a toujours été une chose pour dire. Pour moi, c'était la Heineken, je trouve ça weird parce que. Ben, je pense que. Vous buvez les deux la fucking Heineken. Moi, Heineken, comme je l'ai pas apporté parce que tu nous as dit notre bière. Moi, ma
casual beer maintenant, c'est l'Heineken. Moi, c'est celle-là, je pensais que t'avais amené. Pour l'eau, ouais. Pour ta adult one. Non, parce que spécifiquement dit. Oli voulait qu'on showcase une bière de microbrasserie. J'ai mon agenda. Donc, j'ai pris une bière d'azur de microbrasserie, mais dans mon fridge, je viens à la maison, il y a une chose. Heineken. Parce qu'Heineken est gluten free. Yeah. Puis, ouais, ça c'est bien. Moi, j'aime une. Puis, pour vrai, moi, c'est mon évolution de la green. Yeah. Yeah. Mais, Oli, peut-être, toi, tu sais. Oui, elle avait la. Moi aussi, c'était beaucoup ça. Puis, des fois, on prenait des cases, une case était comme qui faisait pas d'allure. Puis, quelqu'un m'avait dit, ça cause la bouteille verte absorbait plus de soleil. Je peux pas comprendre quand est-ce que la bouteille aurait absorbé du soleil, ce qu'elle a dans le case. Parce que c'est comme quand j'étais. Moi, je me rappelais plus jeune, comme 19 ans, aller dans le Vieux-Québec, boire un Heineken, puis être. Oh! Skunky! Ben, Heineken, tu sais, skunky, encore à cette heure, elle goûte la skunk. Moi, on dirait un verre d'eau. Yeah. Yeah. Super frette, là, ça va. Oh! Raid facile. Puis celle-là, je peux en boire plus que 4. À cause des gluten-free. Elle rentre, elle gonfle pas. Puis c'est la seule. Moi, je peux pas, parce que je peux pas roter. What? On dirait qu'il y a comme pas de place. Yeah, je dois ouvrir là. Il y a pas de place pour me gazer à l'île. Et c'est la seule bière qui fait un équivalent non alcoolisé qui est bon. C'est vrai. Mais comme, en même temps, je sais exactement ce que tu veux dire par Super Scorn, parce que toute ma vie, moi, ça fait juste peut-être un an et demi, j'ai tombé à l'Anakin. C'est juste. On dirait que c'est juste comme. J'ai eu une phase que je vais à la Rock Bolter. Ouais. Puis deux gros verres, goût d'être malade. Pensez, ah, oh, change. Puis pour un bout de toutes les grosses bières, ma porte était là. Puis deux, trois soirées, sporadiquement, des fois, je buvais à l'Anakin. J'achetais trois verres à l'Anakin. Ouais. Puis pristine. Je j'étais comme, ok, il y a quoi? Il y a une puis après ça, j'ai écouté un podcast, quelqu'un a dit, c'est Rogan, parce qu'il était sponsorisé par Anakin Zero. Ouais. Puis il a dit justement, allez. Si c'est pas une bière qui voulait être gluten free, je suis à la mode, c'était juste, that's how it was. C'était une bière qui était de même. Oui, en fait, c'est juste de même. C'est pas voulu, c'est juste à ça. Moi, je viens de donner une chance à Heineken. Dans mon temps de plus jeune, temps de boire la bière, je faisais quand même ça. Je m'achetais une grosse caisse de bière, deux, trois sélections différentes. Puis, actually, on parlait de Drain Bore, que j'avais vidé dans Drain. La broue du pain, on parle de ça juste à l'heure. Puis j'ai fait ça deux fois. Aucune idée qu'est-ce que tu dis. J'ai fait ça deux fois des drink boards. Ok, c'est broue de pain, Heineken. Ah ouais. C'est-tu le terme dans le monde de la bière, un drink board? Drink board, c'est ça. Tu pours un drink. Sur exemple, si exemple tu dis comme, tu peux avoir une vraie drink board, c'est mauvais. Bah, tu peux utiliser le terme. Moi j'aimerais ça, les gens utilisent le terme. Drink board. Oh, that's a drink for beer, bro! Yeah, man! Comme ça, ici, hashtag DP, c'est ça. Poum, poum! Comment mon pépé, il y avait ça dans la cave, sur le ciment, puis comme il buvait pas ça nécessairement frais. Non! Ça, c'est la première bière que je buvais. Oui, mon père, pas jamais, frais. Mon père a jamais bu billet dans le fridge. Ben, c'est ça. C'est comique, parce qu'avant, il y avait. Y a-tu de la bière que, comme, t'es pas supposé nécessairement boire frais? Autre que de la stout? Non. Sur autre que de la, ça veut dire oui, ça veut dire de la stout. Oui. Ok. Mais, parce que, on dirait avant, dans les maisons, il y avait un 3 saisons. Puis la vie est dans la 3 saisons. Ouais, ouais. C'est comme moi, on porte chez nous, c'était un 3 saisons. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bien. La vie, elle est là, puis les tomates en 4. There you go. Mais, pour moi, c'est. Marzano for the win. Puis moi aussi, c'est une de mes bières. C'était entre. Vraiment, c'était entre la cour, puis la mousse green. Je pense que la région chaleur, c'est. Je pense qu'il y avait de quoi. Puis, I guess, à ce ça ferait plus de sens que 15 ans passés, mais il y avait quand même une fierté de boire une bière. Nous, on boit du quad. Oui. Tu sais, des fois, le monde, sont comme, ah, oh, nous autres, on boit local. Regarde, tais-toi. Comme, tu sais, c'est comme quand quelqu'un s'excite, là, parce que quelqu'un joue avec, met une robe en jouant une gay. Poly. OK? À un moment donné, c'était juste ce qu'il y avait local. Oui. That was the local thing. That was the local thing. Yeah. Parce que c'était union made, comme ils le mettent encore sur leur. Ouais, mais honnêtement, c'était pas blague. That wasn't why I was buying. C'était. Non, mais on avait. Je me rappelle, ça dit souvent back in the day. Moi, j'ai eu le monde qui pense qu'on a tout inventé. Là, je vais décoller sur un rent. Exemple. Non, mais à cause d'exemple, moi, je me rappelle des petites gays. Non, je me rappelle des petites gays. Nous, on avait une tune, ça s'appelait Gay and Proud. C'était deux accords, puis tout le long, on disait I'm gay and I'm proud. Proud to be an homosexual. Puis le but de cette chanson-là, c'est qu'on avait des amis gays qui se faisaient intimider à l'école. Puis nous autres, on voulait jouer ce tune-là parce qu'on savait qu'il y avait. Beaucoup de personnes qui intimidaient les homosexuels au gay. Nous autres, on jouait ce tune-là, on mettait des robes, puis c'était un big FU dans les gens qui intimidaient nos amis qui étaient homosexuels.
Ça, c'était 20 ans passés. C'est le monde qui est comme, oh my god, t'es assez edgy, tu portes une robe pour faire un statement, tête, toi, ok? Ok? J.J. Harris mettait le micro dans les fesses avec des robes, puis on était pas nés, ok? Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai le monde qui est comme, oh, il y a ça avant qu'on dise. Calme-toi. Calme-toi, Brigitte. Ok? Ok? Je volais les robes à ma mère avant même que ta Facebook, ok? Brigitte. Ah, bon! Sorry. Sorry. Est-ce que ton corps de jeune garçon faisait les robes à ta mère? C'est fou. Ben, j'étais assez mince, ma mère, tout. Toi? Moi-même! Toi, tu mangeais comme 14 cheeseburgers avant de souper. J'ai pogné la mononucléose à 13 ans. Okay, j'ai chédé. J'ai pas pu manger, c'est-à-dire que j'ai chédé. Oui, okay. Et après ça, j'ai gradually comme devenu un adulte plus bedonnant. Mais j'ai 14 à 19, j'étais assez mince. Puis au collège, j'avais de l'argent des pastas, du spaghetti, puis des tomates. C'est bon, t'es-tu beau à ce temps-là? Moi, j'ai... Hey, Colin, as-tu fait du bien, ça? C'est-tu dans ton range, c'est ça? Une lager comme ça? Yeah, ben, je veux dire, regarde, c'est OG. Ben non, je sais pas de review, tu vois, c'est une bière assez bland. Tu devrais commencer à faire des reviews juste simples. Yeah! Mais oui, pas grand chose à dire. Non, mais tu devrais aller comme les bières ridicules. Trouver les bières les plus weird. Yeah, ben, honnêtement, ça me prendrait 30 secondes à faire une review là-dessus. C'est une lager faite en style macro. À TikTok, ben oui. Hey, TikTok, si tu comment vieux, je suis rendu dans mon. Je sais pas. Duet avec le gars de Stout. Qui? Non. 1,7 million de views. C'est viral. Mais man, j'ai du hate comment. Du hate? Parce que la porte n'est pas comme il faut. Non! Non! Parce que. Ah, t'as où? Non, parce que c'est pas fait comme il faut. Là, on va couper ça de niveau. Ouais, c'est carrément. Pis comme on disait, c'est ça, niveau TikTok, pis ton vidéo a été, pis c'est beaucoup de monde, pis même comme Gary Vee, il parle beaucoup de ça parce que right now, cette plateforme-là est comme Instagram, il a déjà été comme Facebook, c'est ouvert. L'algorithme n'a pas encore tweaké pour monétiser rien, c'est vraiment. Si le monde share, le monde va toi. C'est ouvert, ben c'est pas share, c'est. Faut que si tu prends un algorithme, tu sais, quand je suis arrivé avec mon vidéo, pourquoi il a été vague. Il a été viral. Il y a eu beaucoup de commentaires. Oui. Plus de commentaires que toi, plus de likes que toi, plus que tu vas aller sur ta For You page. Oui. Puis, tu sais, 1,7 million de vues. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Wow. Moi, donc, ta For You page, que c'est comment? C'est moi, je n'ai pas dans moi d'apprendre une autre plateforme. Moi, je sais pas que c'est. Hashtag For You, hashtag. So, la For You page, ok. Quand que tu vas sur TikTok, tu. Moi, je pensais que c'est quelqu'un qui était décédé. Moi, je pensais que c'était comme un Me Too, mais un autre. Quand que si j'invite sur mon podcast, je ne comprends pas la gueule. Non, mais. Sur notre podcast, on se fait pas la gueule non plus. Comme si tu pensais-tu qu'on allait juste être assis pis comme. Tu pensais-tu qu'on allait. Je veux parler de fucking TikTok. Tu pensais-tu qu'on t'aurait laissé faire ton show comme deux innocents? C'est ça, reste dans la cave partout. C'est ça. Ça reste dans la cave. TikTok, are you speak to me, s'il vous plaît? Are you? For you, bitch. C'est ça. Donc, for you. Hey, moi là, c'est fou, hein. Une bière. Pis c'est pas que je suis chaud, mais j'insulterai tout le monde. Et moi, ça me prend une drink, je suis comme, ok, je vais vous expliquer pourquoi je vous haïs tout. c'est ça. Non, so, For You page. Quand tu es sur TikTok, t'as deux pages. T'as For You, oui. Pis ton following. So, si tu follows 10 personnes, tu vois un following, tu vas voir les vidéos postées par ces 10 personnes-là. Oui. Si tu vois la For You page, c'est comme cliquer Search sur Instagram. Puis voir les photos que tu as. C'est des recommandations, c'est des suggestions. Mais si que tu pommes l'algorithme de For You page, tout le monde va mais il y a certains hashtags, comme j'ai remarqué ça, comme si exemple tu prends une photo. Tu peux te rendre sur hashtag, photography, pis non. Parce que. Ça peut aider un petit peu. Si je mettrais un stream. C'est moi, c'est la femme, c'est que. Un stream? Un thong. Un thong. Toi, tu veux m'entendre? I got that apple. Ok, j'ai un petit bubble. Je pourrais, basically, faire une petite chanson, puis shaker, puis montrer mes. C'est la face? Oh, yeah, yeah. Je sais que c'est pas juste ça. Okay. Non, mais c'est mostly ça. Il y a beaucoup de ça. Mais la raison pour que c'est que tu vois de ça, c'est à cause que tu as tendance à regarder ça. C'est comme. Y a parce que moi, sur le mien, là, il n'y a pas beaucoup de ça. Non, puis je get que, comme il y a quelqu'un qui disait. Christina Brzezinski, c'est une humoriste, puis elle, exemple, elle veut le weird stuff. Okay. So elle explique au monde comment faire sûr que leur algorithme. Parce que TikTok, tu veux pas que tu vois les vieux de 50 ans qui fait du crack, puis avec un bandeau I love America. Non. Il veut que tu vois le jeune avec des abs, qui est comme Hi guys, let's change your life. Tu sais, so l'algorithme veut, mais
elle, elle explique au monde comment voir le vieux de 40 ans qui fait dit crash. J'aimerais vraiment voir ça parce que je fais comme si qu'il y a un. Mais c'est tout là-dessus, ça. Des Olivier. Entire. Olivier, il y a plein de back. Oui, elle, là, elle, Krystyna Pusinski, a fait Drew After Dark avec Dr. Drew Pinsky. Okay. Lui, c'est un professionnel en santé mentale, un vrai docteur. Blablabla. Puis eux, ce qu'ils font, ils analysent des TikTok. Mais de ce monde-là. Oui, la madame de 40 ans, l'homme de 50 ans, la personne qui a pas de dents pis qui est comme Let me tell you something, TikTokers! Let me tell you about that movement that you go! The dark side TikTok. Ah, non, non, pis elle, c'est juste ça, pis comme ils ont découvert du monde, pis ils ont découvert. Il y a plus long du monde, pis contactons le monde à travers ça, comme ils ont découvert un gars, c'est Robert Paul Champagne, ok? Robert Paul Champagne, c'est un vieux monsieur qui vit à New York. Ok, anyway, il a pogné de la fame parce qu'ils l'ont découvert. Il s'appelle un OnlyFans, ok? C'est juste RPC qui se masturbe pis qui vient. Son OnlyFans est out of control pis il est comme. Il vit de vieil appartement, lui, hein? C'est-tu sur TikTok, ça? Mais, non, ça c'est sur OnlyFans, mais RPC. Anyway, non, mais. Yes. Autant que tu comprends pas, autant que tu comprends pas que c'est For You Page, moi je comprends pas que c'est OnlyFans. OnlyFans, c'est juste comme exemple, c'est une subscription à une webcam. C'est juste un paywall bien le paywall. C'est ça. So, le monde paye pour le voir. Oui, c'est des choses que. Puis ils font n'importe quoi. Ouais, c'est exemple comme. Non, mais le dude qu'on vient juste de parler de. Oui. Robert Paul Champagne, mais lui, c'est. Il fait ça parce que le monde paye pour le voir faire ça. Le monde le paye. Lui, c'est comme. Un peu le monde le suit en Joe parce que elle sur leur podcast. Mais c'est en Joe, mais payons pour. Oui, lui-même, il a une vidéo, il est flambant nu dans le stairwell, tu sais, des appartements crassés de New York. Ok, je prends une vidéo. Il y a de l'écho là, il va pis il stop pis il se claque les cuisses. Comme, pis ça résonne, clac, clac, clac. Pis après ça, il va pis. Un point d'adieu. Anyway. Chicky, your mom's house, Robert Paul Champagne. Non, non, c'est excellent. C'est. Non, non, mais lui, il est venu viral. Parce qu'il y a fait une vidéo sur Instagram qui invitait tout le monde à aller chez eux. Il dit, I don't care who you are, mostly men. Puis il dit, je veux venir chez nous. Il donne son adresse. Puis il dit, don't knock, come in and F me. Puis lui, il explique ça. I don't care if you just came out of jail, I don't care if you're a thug, if you're anything. Come and give me a good beating. Puis il y a eu populaire. Parce que. Non, non, il dit. I'll pay for your food. I'll pay your rent. Oh. Ah, mais t'es ça. Ça dérive tout. Oh, sorry. De TikTok. Mais du monde met sur TikTok. Oui, that's a dark side of TikTok. I mean, je suis sur TikTok. J'ai quand même pas des hommes chez nous à faire un bon beatdown. Ah, ouais. Ah, ben c'est. J'ai des hommes. Dès chez nous, c'est pas la plateforme adéquate. Non, 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 non. Mais je guette. Tu veux parce que la moussette verte amène. C'est. Oui, nous autres, c'est une conversation. Je sais pas si c'est la moussette verte parce que je fais aussi la cold salt. C'est la cold salt. La cold salt. Pour moi, l'agressivité, c'est la cold. Comme j'ai déjà vu un jour, je file que Facebook est désuet, mais est nécessaire. Oui. Puis moi, où est-ce que j'ai du fun, c'est sur Instagram. Oui. Parce que moi, je peux poser la même photo de deux endroits. Pas le même caption. Parce que, tu sais, il y a des. Facebook est le fun parce que je pense que c'est une review, c'est parfait pour Facebook. Ouais. Du monde de la région qui veut voir les affaires de la région, qui veut commenter, c'est le fun, c'est facile. T'as pas ça sur Instagram? Non, pas Instagram n'est pas là. Le reach est beaucoup plus large, répandu, pis c'est pas. Ta location n'est pas donnée tout le temps. Non. Puis, c'est comme exemple, moi j'aime Facebook. Comme exemple, moi je pense majoritairement du gars de Poutine, c'est un Facebook show. Ah oui! Tu sais, puis YouTube il fait bien aussi, mais c'est un Facebook show, puis c'est awesome parce qu'on veut trouver des choses qui marchent avec chaque plateforme. Mais des fois je dis, moi je n'ai pas dans le mode de prendre une autre plateforme. Non, non, ça c'est comme la plateforme. Comme je trouve que t'es smart d'aller sur TikTok. Ben, I mean, c'est pas comme si je pose souvent, c'est juste. Je sais pas, je vois beaucoup de content creators qui me donnent des idées parfois. Puis, regarde mon vidéo de Guinness à. C'est sûr 100, que. 135 000 likes. 1,5 million. C'est sûr que le rêve est qu'avoir une plateforme YouTube qui fonctionne. Parce que c'est beau, c'est clean. YouTube est professionnel. Oui. Mais je fais que le monde, la région, n'est pas encore là. Nous autres, moi, là, quand on a 200, 250 views sur une vidéo, je suis comme. Mouah. Moi, quand j'ai 50. Non, mais c'est ça, je dis. Hey, moi, 50, golden. 200, success. Yeah. That's all I need. Moi, je pense pas aux 1000, je pense même pas à 500. 50, t'es comme, alright. Parce que, comme je le dis à Jeff souvent,
si je fais un show de stand-up le vendredi soir, puis il y a 50 personnes à chaque vendredi qui viennent mettre leurs fesses dans les sièges, c'est un awesome show. Sauf c'est pourquoi, ridicule, sauf, c'est pourquoi ton podcast à 50 personnes n'est pas awesome. Tu sais, puis des fois, comme nous autres, l'autre jour, on a atteint un brand meeting, puis on a vendu un peu cette idée-là que le monde veut des gros chiffres. Mais j'ai dit, si il y a 200 personnes qui écoutent, puis 50 ces personnes-là décident de devenir client de ta place. Ouais. Et c'est 50 clients. 50 clients qui rentrent à ta porte. C'est lourd de 50 clients. Tu sais, parce que dans ma tête, tu peux-tu fournir 1000 clients? Non. T'as pas la capacité de fournir, pourquoi tu veux 1000? Tu veux 50, tu veux 10? Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que comme il y a une manière de vendre notre brand en étant plus petit. Oui. Parce que clairement, on n'atteindra jamais les 10, les 100 000, les 1000. En plus, ça fait pas de sens. Tu sais, surtout pas en français. Anyway, 50. Ou nous, Brunswick, si on veut ça. Moi, je pense que c'est qu'on voit une nouvelle bière. Oui, nouvelle bière. Moi aussi. On a de soif. Fait là, on s'en va à la prochaine bière. Yes. Vous allez vous en savoir que c'est la bière d'adieu. Oui, c'est la bière d'adieu. Le podcast va durer très longtemps. Quel qu'on fait, on va couper un peu de temps. Tu coupes profond. Oui, oui. Moi, attends, c'est non, non. Moi, je voulais guesser celle-là à Fred. Puis tu pensais que c'était Heineken. Moi, j'étais certain que c'était Heineken, mais c'est pas ça. Ça veut dire que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je check juste pour mon sac à tomber, ma caméra est dans ce cas-là. C'est correct. Je vais attendre. Moi, je pense. Je pense. On reveal-tu celle-là à Fred? Oui. Moi, je pense que c'est. Ça te dérange-tu si je la reveal? Oui. Ça te dérange? Non, parce que ça va être hypé en vous deux. Vous allez sûrement pas savoir la mienne. Non. J'ai déjà goûté la mienne. Vraiment pas. Non, c'est trop fancy. Moi, il y a un thème qui suit la Coke 40. Mais tu veux-tu faire? Oh. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a la mienne? Non, allez-y, vous autres. Moi, je pense que toi, c'est une Radler. Puis. Mais c'est. C'est un bout de qu'on se connaît, mais j'essaie de penser à la brand, j'essaie. Ben, j'ai changé la brand pour Ali. Oh! J'ai pris une Radler de brasserie locale. Locale, ok. Bah, actually, mon eau t'aurait marché et tout. J'ai pris une d'une plus petite brasserie locale. Ok, mais la Canette Jaune avec le zipper sur le bord. Y'a pas 40 Radler là. Bah, c'est ça, c'est elle. Ah. So, j'ai été avec la Radler, la Craft Radler de Papa avec le zipper. Habituellement, quel qu'il y a au bout de la gueule? Y'a plus pas boss. Mais c'est. Y'a reçu la mousselle là? Oui, ok. J'ai... Moi, j'allais prendre la mousselle. Oui. Je me suis dit, garde, pis c'est. Y'a-tu une plus petite microbrasserie qui fait une Radler? Wouf! Radler, plein. Ben, je suis en canette. En canette, man. Non, des microbrasseries, au bonjour, oui, y'a plein de Radler. Il y a plein de brasseries qui font des Radler. Je l'ai pas trouvé. Mais c'est. Moi, j'ai pris elle parce que, comme je disais, ma bière plus hiver, c'est la Rock Walter. Oui. Forever. Comme tu as développé ma bière pour manger, pour sortir, anything. Moi, c'est la Rock Boulder, c'est fort, c'est awesome. Yeah. La seule chose qui vient proche pour moi, c'est comme une Ave Maristella de Fils du Roi. Oui. Grosse bouteille. Comme ça, la première lignée de bière que Sébastien a faite, moi, forever, c'est dans mon cœur parce que une belle bouteille, juste le bon feeling, juste le bon. Comme, moi, la vie Maristella, puis qu'est-ce qui était l'autre, les deux premières, avant Captain Craig, il y avait deux. La Messe Blanche. Il y avait Messe Blanche et la vie Maristella. Oui. Ces deux-là, là, moi, je m'en ai une. Non, t'as deux, mais une, c'était. Ah oui. Ouais. Ça, c'est dans le même style, le même mindset qu'une Coke 45. Oui, mais juste. Comme grande bouteille. Mais t'arrivais à quelque part, puis comme moi, souvent, comme au début, quand on se rencontrait, mon petit-là, je me rappellerai tout le temps ça, on achetait deux, puis on partageait, puis c'était. Tu sais, c'est une bonne bière, puis tu filais bien, puis c'était. Tu sais, comme. J'avais toujours peur de ces grosses bières-là. Ah, j'avais c'est... toujours comme une crainte de, comme, ok, ben qu'est-ce que j'achète si j'aime pas ça. Si c'est pas bon, c'est un gamble. C'est un gamble. C'est un gamble. Puis à un moment donné, il n'y avait pas nécessairement d'outlet pour nous dire, comme, ok, garde. Peut-être que ça c'est bon, parce que c'est pas une place qui avait des annonces ou qui avait quelqu'un pour dire exactement comme. Là, ça, vous savez. Mais moi, c'est la base, c'est. On dirait. Le roux pour ça. Ah oui, que je vais vous conseiller. Je bois pas beaucoup de bière, justement, because it made me feel bloated. Puis ça me tanne parce que j'aimerais justement essayer quoi de nouveau, regarder une vidéo, puis ah, oh, je vais essayer ça. Wow. Puis c'est juste, j'essaye pas du nouveau stuff, parce que comme, je sais que la Heineken fait filer bien, puis ça, c'est light. C'est ça. C'est ça ou du gin. Mais c'est ça. So, j'ai été avec Pombard, Crowdy Raffler. C'est ma bière d'été d'hiver avec d'autres choses. Grapefruit and tangerine. Hey. Oh. Sais-tu quoi? Je l'ai jamais goûté. Comme une Radler? Non, mais celle-là. Ok. C'est pas une Radler. J'irais peut-être même à dire que j'ai jamais goûté une Radler. T'es raté. Arrête. J'ai goûté une des brasses de la côte. Très très bonne. Oui. C'est une vraie Radler à 2,4%. Ah, oh, j'allais pour le racheter. Je sais pas ce que tu veux dire. Une vraie. Comme ça, c'est une pas vraie?
Les Dreadler au-dessus de 4%, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Moi, là. Ben, ouais, parce qu'on s'entend que c'est moitié-moitié, moitié bière, moitié jus. Merci. Donc, faire une. 4,7. Donc, faire une Dreadler qui est moitié bière, moitié jus, à 4,7, ça fait pas vraiment de bon sens, right? Non. So. Rattler, moitié jus, moitié bière, censé être, tu prends une base de bière de 5%, ça va être 2,4. Ok, parce que tu cotes nave, ouais. C'est comment ça c'est? Parce que, moi là, je conseille ça à personne, mais moi j'aime une dirty Rattler. Oui. Une Rattler, avec une chute de chute dedans. C'est comme le hipster, ok, le hipster Jagerbomb. Hey, ça, quand j'étais à Ottawa, c'était à la mode, là. Comme on allait au 4 jeudi à Gatineau, pis c'était bien, comme le monde dansait, pis quelqu'un criait Jagerbomb! Pis là, ça oui. Sortait. Toi, c'était la vidéo, là. Comme, dans il y avait une vidéo. Il y avait une vidéo. Il y a Jagerbomb. Don't talk to me, bro, I'm in the zone, pis piano with you. Pis, hey, t'as vu, tu dans le temps, c'était cool. Je veux pas le trouver, trop la vidéo. On l'écoutera après. Attends, je vais écouter la tune de. Allez écouter Afro Man Call 45. Moi là, qu'est-ce qui me tanne? Puis là, je vais m'ouvrir le cœur, les boys. Oh my god. Moi là, tu sais, c'est pas parce que j'invite du monde. Non, mais c'est pas si je voudrais. Non, j'invite du monde si c'est plaisant ici parce que on boit de la bière, on a du fun, puis mon show est basé sur boire de la bière. Quand je suis tout seul, oui, je bois tout seul. Dans ce temps, j'ai des amis à boire avec. Vas-y, ça me paraît moins mal. Hey, on goûte ça, ce radio là. Oui, on fait cheers. Cheers, les boys. Love you. C'est love you. Love you. Sais-tu? C'est, puis, c'est la première fois que je goûte une Rattler de Bubbles. Mm. Moi, c'est le. J'ai vu, tu l'as pris au sérieux? Oui. Elle est bonne. Elle est pas mauvaise, hein? Oui. Elle est bonne? Mais j'ai le frais. Le ouais, 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 parce qu'il fait chaud aussi dans le frais. Avec une chaîne de mais c'est ça que tu cleans dedans ou que tu vides dedans? Non, Jagger, c'est. Ah! Mais je peux faire cette Jagerbomb si tu veux. Je vais siroter avec une New York de Antoine. J'adore Antoine, oh. 13. Là. Oui. Tu es sponsor? Oui, j'ai sponsor. Veux-tu faire huge. Ça? Ah, on va faire ça tout de suite. Huge sponsor. Gros merci à Old Bootlegger pour sponsoriser l'équipement, Editing Equipment, les microphones, ainsi de suite. Puis c'est là que vous allez trouver Pizza 13, qui est la super super pizza de Antoine. Yummy, yummy, yummy. Un autre gros merci à Bass Tag Fishing et Drift Fishing qui nous ont sorti pêcher. J'ai écrit Nathan là. Mardi. Ouais, c'est super le fun. Fait, si vous cherchez une aventure super incroyable, pêcher du bass à la région Chaleur. J'aimerais y aller. En kayak, c'est vraiment incroyable. J'aimerais aller parce qu'il nous a déjà sponsoré, Mathieu. Matt, j'aimerais aller avec lui. On devrait se faire une journée. Oui, certainement, faisiez-vous une journée. Puis, The Blues Marshalls. T'as-tu aperçu qu'ils viennent nous dire comme oui, faites-vous une journée, genre comme ouais, c'est ça. Blues Marshalls, parce que tu utilises leur chanson. Oui. Ah. Intro. Oui, faites-vous une journée parce que. Bah, c'est ça, je pensais. On finit ça. Je n'ai assez de vous autres. On rappe ça. On regarde une fois par année. Mon bébé, donc pas. Non, c'est ça. Oh, il y a plein d'amour aussi. Quand est-ce que tu as les cannes mâchées là-bas? Ça, c'est mes collants à ma porte. Les quoi? Les collants à la porte. Et de la porte en haut. Des collants. T'as pas? Oh, ok, ok. Là, c'est fourth wall break. Là, on vient d'aller plus loin que la question. Oh, oui. Oui, c'est vraiment incroyable. Tu sais, c'est un fourth wall? C'est un fourth wall. Oui. C'est réalisé qu'il y a. Ouais. Désolé. Je pense que quand tu parlais à la caméra. Ben, c'est parler à l'autre, comme l'autre côté de la caméra. Ça peut être directement dedans ou pas. Est-ce que c'est cinématographique? That's it! Puis j'ai moins de glass work, on n'utilise pas ses verres tout de suite. Non. Ah, il t'a fait des verres? Ben, il m'a envoyé une coupe. Non, mais c'est pas des verres de. Il faisait pas confiance dans notre dextérité. La. Non. Puis la raison pour laquelle j'ai. Faisais moi des verres Four Rivers. La raison pour laquelle j'ai pas utilisé leurs verres, c'est qu'ils n'ont pas de taster comme ça. Mais là, Olivier, tu l'as sûrement déjà dit, mais éduque que moi, pourquoi ce verre-là est meilleur pour la bière? Pas qu'il est meilleur la bière parce que moi je le préfère pas en tout pour boire une pleine bière. Mais faire des tasters, il paraît bien, il swirl bien, il forme une bonne arôme. Comment tu trouves ça? C'est sucré au début, oui. Il y a une petite finition sèche. Où est-ce qu'on parlait sur l'amertume? L'amertume, il n'y a pas, c'est non existant. Non existant parce qu'il faut s'entendre, sucré c'est la.
Sugar is the third ingredient. Oui, absolument. C'est laquelle, quel ingrédient? Le deuxième, le, in English? The third. Troisième. The third. J'ai pas pratiqué, ils m'ont rire assez de moi. Je croirais. Ben, il y a comme trois choses que tu fais qu'on peut rire de toi à part de ça, t'es parfait. Non, je te dis, c'est ça. Moi, ben là, si je parle en anglais, pis quelqu'un dit quelque chose, je switch en français dessus. Pis avec un français de manger de marbre. Oui. C'est exemple, I'll take three something like that. Mais three. Je suis comme, oh oui, en effet, j'aimerais avoir trois de ça, madame, si ça vous dérange pas. Ensuite, je prendrai l'addition pour la suite, on peut boire, tu peux l'oublier. C'est ça. T'sais, là, elle est comme, what did you say? C'est ça. Il touffe tout. Anyway. Comme la rider, on va oublier, on s'en va. Une autre bière. Une autre bière, au retour de la pause. Ah, ça, c'est. Wow. Jorts. C'est Jorts. Jorts. George. Hey, comment ça va le retour CrossFit? Ça, là, ça va bien? Ouais, so far so good. J'étais une fois cette semaine. There you go. Ouais, mais une fois c'est plus que la semaine passée. Non, non, c'est une fois c'est passé. Oh, mais c'est trop. 4, 5. C'est trop. C'est trop. Ah, non, non, mais non, va 3. C'est trop. Pourquoi tu vas 4? Va 3. C'est que je trouve ça dur avec CrossFit d'aller seulement comme 3 fois ou 2 fois par semaine parce que là, c'est pas dans un groove. Si tu as même moi dans la classe, non, là, je suis plus comme tu veux 5h30. Ils ont des punch pass, hein? Oui. Ok, ah, mais je vais commencer. Mais, yes. Non, non, mais c'est comme je dis. C'est dur à rentrer dessus parce que c'est une petite classe de 7 personnes. C'est moi, il faudrait. Comme y a-t-il des classes le matin? Oui, à 5h30. Ouais. Yeah! 5h30, midi. 4h30, 5h30, 6h30. Ok. Faudra checker ça. Moi, 5h30 du matin, là, j'ai pris avec mon foam roller assez doté, 4 cancers dans mon dos. Faut pas cross it là. Jeff, quelle bière que t'as choisi? Qu'est-ce qui fait des clean and jerk à 5h30, des sauvages? C'est ridicule. Sorry. Bye bye, Pumbos. Ben, je vais aller. Où est-ce que je prends des punch cards? Faut que je vois là-bas, puis tu vois là. Yep. La mienne vient du Forevers. La mienne vient du Forevers. Je pense que t'es un gros fan de Forevers. C'est en bas du chemin chez nous. Oui. Je veux dire, c'est... des bons gars. C'est à l'intérieur d'un kilomètre, c'est des bons qui, gars. Qui est à peu près 3 km ici. 3-4 km ici. Je pense que c'est 8 minutes. Ouais, c'est comme vraiment pas loin. Yep. 8 minutes de course. Tu vas au CrossFit pas mal souvent si tu veux. Non, non, hey, je conduis. C'est la British Mile. Oh, oh, nice! Qui est ma go-to. Toi, c'est jamais. C'est vraiment, honnêtement, puis tu peux demander à venir. À chaque fois que je vois, j'arrive avec mon petit sac de Canvas, je suis comme 4 British Mile puis 2 de whatever. Nice. So, mais là, je suis rendu, je dis 2 de whatever, mais là, je veux plus la Pale Ale. Et moi, je bois la Norster. So, je suis comme, non. Moi, je bois jamais. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Mais c'est pour ça que j'ai un dad bar. Enfin, j'aime. Ça, c'est comme une bière de barbecue. Pour yep. Moi, là, comme je vais faire un souper, je vais sortir, j'allume le barbecue, je vais jouer une British Mile. Ben, déjà mis dîner souper. Ouais, des fois, je suis assez stupide. Comme exemple, là, le vendredi, là, demain, comme la soirée, c'est une exception. Oh. Le vendredi, je vais ouvrir une vanille, je suis comme, d'accord. Ça, c'est bon. C'est bon. C'était claque, là. Moi, tu l'aimes-tu? Absolument. J'ai fait une revue dessus. There you go. Ah, grande bonne bière. Ça a l'air encore frais. C'est vrai, ton cooler marche. Mon cooler. Moi, le matin, le cooler pas de classe, c'était Colomb. Ben, I guess not. Hein. J'ai un cooler sponsorisé. C'est un cooler sponsorisé pour vous, ça? Moi, c'était rien que ça. Ça, c'est quand je travaillais. Hein. Tu veux, ça, c'est la bière que je bois, c'est que tu vois pas à travers. Pas trop. Non, mais British Mild, il a vraiment fait une belle joke, c'est ça. Je me rappelle qu'est-ce que. Je la brasse pour faire sortir les arômes. Ben, mets-toi la face dedans. Oui, mais j'aime avoir comme stimuler la commodisation. Ah, c'est ça. Ça avance bien dans les mots, c'est pas le même sur la boîte. Oh, c'est-tu ça qui font un nitro? Non, non. C'est la Raglan. Non. Oui, la Raglan Red a fait un nitro, puis ils ont fait la Milk Stout à nitro. Milk Stout à nitro, là. Si quelqu'un pourrait scientifiquement comme prendre. Oh, fais-toi. La tête, le head de ce nitro-là, ce foam-là, yep. Puis la gelée, comme en mousse. Popsicle. Oh! Mais nous, oh! On avait. Le dessert! Quand on avait bu une halle, c'est la
Oui. On est dit pour un autre podcast ou forever, ils vont pas sortir une bière. Ils veulent pas. Non, ils vont sortir une Golden Ale. Peut-être. Oui. Puis c'était quoi le nom encore? La grosse bouteille, là? Jérôme vient de sortir un nom. C'est vrai, Jérôme travaille là. Oui. Jérôme. Mais oui, c'est ça. La Bridgemont, c'est pas une bière, c'est une bière, elle a des belles notes de caramel. Ben c'est, je pense coffee, que c'est ça, c'est une caramel puis coffee qui vient me chercher. Oui, puis étant une bière qui est foncée comme ça, puis étant light tasty. Oui, moi j'aime ça. Puis ça va me prendre probablement comme 2 heures à boire, tu sais, comme je vais l'ouvrir, puis tu sais, je finis pas avant, comme plus tard après souper. C'est sipping beer. Tu peux rire autant que tu veux, c'est ça que c'est. Tout ça, oui. 2 heures plus tard, tu l'as fini? Oui. Tu sais ce que je fais? C'est vrai, c'est une bière de sirotage. Oui. Mais, moi, j'aime, comme je dis, tout ce que Forever fait est awesome. Yeah. Puis, garde, je veux pas dire que j'ai pas pris la peine d'aller beaucoup chez Thirsty Barrel. J'ai 13 barils, tabarnak! J'ai juste goûté la papille. J'ai même pas goûté la papille Noël. Qu'est-ce que c'est la première qu'on sortit? Pape Noël. J'ai goûté. J'ai été deux fois avec mon petit growler, puis il laissait pas encore les growlers back in the day parce que tu m'as expliqué qu'il fallait qu'il produise X nombre. Oh, oui. Ça, c'est un quand tu ne pas là encore. C'est ça. Puis après ça, je l'avais pris au casting crew. Moi, c'est pour moi, c'était une mousse light. Ouais, ben leur style de bière, leur style de brassage est vraiment différent de Forever's. Forever's, c'est plus comme la British Mild, British inspired. C'est plus goûteux. C'est plus goûteux. Comme moi, j'aime vraiment Forever's. Ils font la bonne bière, mais leur style de brassage, peut-être pas mon style préféré. Ah, c'est plus comme. Plus comme. British style, influencé par l'Angleterre, malt forward. Moi j'aime plus du stuff qui a beaucoup plus doublon en avant du malt. Ça veut dire quoi ça? Donc, plus d'amertume, plus de jus, plus d'arôme, tu sais, plus de blenny. Ça c'est ça que moi je préfère. So you're huge on hops then, right? I'm huge on hops. Vous m'avez fait découvrir ça, puis je l'ai fait découvrir à d'autres personnes, mais il n'y a personne qui le connaît. Quoi ça? Les jeux de mots, Huge on Hops. Ben voyons donc. Ça vient de la bière. Ah, la bière qui s'appelle Hugh. Oui. Oh! John. Oui. Donc la bière s'appelle Hugh John, J-O-N, Hops. Mais genre, c'est un jeu de mots. Well, forever, c'est un huge on hops, because they're huge on hops. Hey, I get it now. C'est comme les hops sont à l'avant de tout. Oui. Prends une photo après. Okay. Oui. Oui. Juste. Il me connaît assez parce qu'on va à Moncton jeudi, puis il dit: tu veux-tu prendre le Jeep? Jeff drive pas standard. Puis veux-tu prendre le Jeep? Ton Jeep est standard? Non, mon char est standard. Yeah. C'est juste, il dit: prenons le Jeep, comme ça je pourrais driver, tu pourras prendre tes notes, puis faire les médias sociaux. Puis moi, ça c'est mon rêve d'avoir le driver que moi je peux faire. Ah oui! Fuck! Tina peut pas parce que ça l'insulte. Pour! Tina, elle, si je dis: peux-tu driver? J'ai des business à faire, ça l'insulte. Comme moi là, quand je vais aller prendre la roue là. Je suis assis là, pis moi je suis un bad, like passenger, je suis bad. Mais comme je suis là, pis comme ta, j'envoie mes choses, pis je check des choses. Non, moi je prends des notes, pis moi je suis dans ma ligue, je suis dans ma bubble. C'est comme Tina, je demande deux choses. Peux-tu driver, j'ai des choses à faire. Peux-tu corriger mes textes quand je suis lettré? Je pensais t'as l'air. L'autre jour, j'étais obligé de la payer. Je la paye pour, comme quand je fais des pauses, comme moi, toutes mes pauses que je fais sont corrigées par Tina. Ok. Pis, comme je m'en vais de mieux en mieux. Ouais, moi, je te changerai pas. Mmh. Si ça coûte trop cher, je te changerai. Non, mais c'est plus facile, Zatrina. Is it good? Mais comme exemple, l'autre jour, j'avais. Tu la payes. Non, mais l'autre jour, c'est à quoi j'avais un long. Pas dit que je t'appelle avec. C'est l'autre jour. Hey, c'est du cash. Cash. Si, je vais faire du cash. Pis, c'était. Ils sont bien, mais ça, c'est du cash. C'était un post, pis j'étais rémunéré pour ce que j'écrivais. Que j'ai. Ils disent, peux-tu le prouver? Je te donne 20%. Je vais te donner, exemple, 40$. Pis elle est comme, ok. Puis j'étais un peu dessus, juste. Les 40$. J'ai pas dit quand j'ai fait. Non, c'est ça. 700. C'était 30$. C'est ça. Non, c'est quoi ça? Je fais pas de place. 40$. Tu flambes 2 billes de vin vite dans le monde. Le verre est à 5. C'est vraiment bon, Jeff. J'aime. Yep. On dirait que j'aime plus. J'aime autant ça que la.
que ma Rock Bolter. C'est que la Rock Bolter, je l'aime aussi. Elle est plus pesante. Mais elle me rentre au fond de la canette, puis la Rock Bolter vient plus chaude, j'ai tendance à pas la finir, puis wow. Je la gaspille. Mais si elle sait, je me rentre. Il y a des bières qui peuvent se rendre. Tu sais, Rock Bolter étant un pied chaude, ça n'aide pas les affaires. Non. So, celle-là, c'est very best pour moi. En parlant d'un pied, on devrait aller à la prochaine bière. Oui. Bière. Oui, la bière d'adulte à Olivier, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à Red and Air. Mais c'est toutes des bières d'adulte. C'est toutes des bières d'adulte. C'est toutes des bières d'adulte. C'est juste notre bière d'adulte. Mais c'est comme notre bière de vieil adulte. Ouais. Puis là, il fait chaud en garage. Moi, j'ai pas si chaud. Moi, je suis quand même. Moi, je suis parfait. OK. Donc, c'est une IPA. Oh. Puis j'ai su le terme avec la Colt 45. C'est vraiment la bière, ma go-to. Vous autres, ça a été vraiment vos go-to bières. Moi, j'ai été une bière que. Juste. Qu'est-ce que t'as reviewé cette semaine? Non, ça c'est une trip. On a changé la canette. Oh! Ah, c'est des belles canettes. Mm-hmm. Moi je trouve tellement quoi ce que la grosse affaire qui a changé, c'est justement comme oui, t'as le craftsmanship dans la bière, oui. Mais les canettes. Comme l'autre jour, elle, que comme quand t'as venu chez nous, tu venais la reviewer, je vais la tourner avec les couleurs. Là. Fait qu'elle c'était. C'était les light blue, les light pink. Ah, c'était vraiment beau. C'était okay. C'était psychedelic au bout. Oh, la gauche. Les Vermeers. Oui, oui. Yeah. C'était assez beau, man. Comme moi, on dirait que ça m'a inspiré. Oui, dans le mic, dans le mic. Puis la raison pour laquelle j'ai fait celle-ci, parce que la Colt 45 était 8%. Puis elle est 8%. Celle-ci, c'est 8%. Quand j'étais jeune, j'aimais avoir une bière forte. Quand je suis plus vieux, j'aime quand même avoir une bière forte. Non. Donc, 8%, tu gardes une double IPA. Puis vous allez voir que c'est vraiment une différente couleur. Ça me fait penser aux Ninja Turtles. Oui, rincez votre verre le plus que vous pouvez avec votre sucre sur la bouche. Pas les rendre dans le Dark Hour for the podcast, le oui, moins de encore. Yeah. Gros chaleur de mon gâteau. J'apprécie tellement, tellement beaucoup. Tu penses que c'est des mondes qui sont that deep? Je sais pas. Moi? Ça serait tellement. Ça serait vraiment comme Dark Hour. À ce point-ci, allez dans les comments et écrivez Ooze. Oui. Non, c'est ça. Si vous avez écouté l'épisode, écrivez ouh. Et c'est différent. Yep. Merci de m'en mettre plus. On va essayer de m'en mettre moins. Oh! Oh, c'est. Stress. Ça se peut. Est-ce qu'il faut qu'on va au McDonald's après? C'est triste. Il y a des grands gens qui vont suivre. J'appelle un Uber. Oui, c'est vrai. Uber Eats. Y a-tu un Uber Eats à Batter? Non. Non, mais y a-tu un. À Moncton, y a quoi ce qui est l'autre? DoorDash. DoorDash. Non. Non, pas DoorDash. Pas toi, c'est moi pas mourir. Pourquoi tu penses que c'est mon drive après qu'ils ont bu? Oui. Uber Eats n'est pas là, non, c'est quoi ça? C'est plus mon drive parce qu'ils ont fait. So, pour ça, c'est. Vas-y. On va faire ça vite, la partie sur la même film de la caméra. Ok, vas-y. Puis ça revient sur au début de l'épisode, j'ai dit que c'est la première fois qu'on filme avec la caméra 7, technical difficulties est normal d'arriver. So, donc. Une bière super, super hazy. La plus hazy de Trailway dans le moment, c'est une double IPA. Plus hazy par hazy. Hazy. Ben, regardez. C'est hazy. On met la lumière. Oh non, non, hey, je guette. C'est hazy. Ben, si tu guettes, pourquoi tu poses la question? Hey, je vous ai assez. Oui, moi aussi. Des fois, je me dis comment on a fait pour faire 112 épisodes, plus 10 épisodes de plus. Tu rentres là-dedans. Fait que c'est. Parce que si on rentre là-dedans, moi je commence à parler de ta casquette. Parce qu'elle a la casquette. Exactly. Arrête, mets ta casquette, t'as un gros over. Non. Tu vas même avoir bien. Ouais, on ça. Est comme un couple, qu'exemple, ça va marcher jusqu'à temps qu'ils parlent de leurs problèmes, là, c'est fini. C'est ça. Puis c'est pas ici, moi je suis pas un psychologue, c'est pas ici que vous avez parlé de vos problèmes. Puis en tout cas, c'est une bonne bière fruitée. Mais je dis. Pense à ta Rattler. Yeah. Oh, au lieu de boire une Rattler. Oh. C'est fou. Mais c'est 8%. Mais c'est genre comme une Radler puis on oublie de mettre le sucre. Oui. T'as un kit de martume. C'est pas ma préférée de Trailway, mais je vais faire un genre de thème avec la Colt 45. C'est pas mauvais, mais c'est bitter. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a de l'amertume? Bitterness. Bitterness. Yeah. So oui, il y a de la bitterness. Ça qui te fait comme... Ça là? Ouais. Ça fait ça. Tu viens de chercher dans le jar? Yep. Comme exemple, qu'est-ce qu'il y a de IBU là-dessus? IBU, j'ai plus d'idée, c'est quoi? Tu écris? Des fois c'est écrit, mais non, Sherwin n'écrira pas. On peut attendre à l'écrire. Ils savent pas. Oh, ils savent, sinon. Ben, c'est le bitterness. C'est que. C'est... Ils ont peut-être pas.
le besoin d'écrire dessus, mais... Comme tu la bois, t'es comme jusqu'à pas, c'est 100 ou 400, c'est tu gagnes, premièrement, là, return for refund, retourner pour remboursement. Nice. C'est remboursement. Fertilité du produit, hashtag bien. Oui. Hashtag capital du Brunswick. Oui. Hashtag la canette est belle. Pas comme à décrire. C'est-tu quoi? Remboursement. On a mis au filter, puis lâchez vos lus. Non, mais. C'est vraiment un jeu dedans. Non, mais. Remboursement. Oui, oui. De Fertilité. Yeah. Non, mais. C'est ça. Moi, c'est l'affaire, c'est. On dirait, c'est. Le monde, quelqu'un pourrait décoller, puis partir une gaz. Oui, oui, mais j'ai fini. Non, mais j'ai fini. C'est juste. Moi, je fais juste ça, là. Mais je sais ce que tu veux dire. Comment? Tu dirais que dans la ville capitale, quelque proof check. Tu sais, hey, moi je paye ma femme pour proof checker mes pauses, ouais. Innocent. Ça veut dire que quelqu'un à quelque part peut trouver quelqu'un qui. Appelle Tina. Tina va prouver ça. Tina guitare. Tina guitare. Tina, Tina pour le Rosemary guitare. 54 Tina. 54 Tina. Ah bah, hello. Hello. Non, c'est un pitché. Donc, c'est ça. That's a wrap. Un gros merci à Frank et Jeff, ah. C'est grave, de m'avoir rejoint sur le podcast. On a bu beaucoup de bière, beaucoup plus que... On a goûté beaucoup de bière. C'est le fun la prochaine fois qu'on goûte moins de bière. Oui. Absolument. Des fois, si on fait des podcasts eux-mêmes, on essaie de faire un concept, on pense pas au volume de bière qu'on va goûter. Ben j'aime. J'ai pas l'idée. Non, c'est une bonne idée. Puis en tout cas, c'était... Mais disons que Tina va venir me chercher. Oui. C'est ça. Tina va venir chez Fred. Me chercher. Oui. Même moi aussi, j'étais avec Fred. Ouais, c'est ça. Moi, c'est. Sur ce, on va la prochaine. Vous avez ça? Oui. Pack, pack. Cheers! Cheers, love you! Mouah!